Là, pour l'instant, on écrit chacun de son côté, selon un chemin de fer, selon une trame. Alors, c'est une forme de contrainte qu'on n'a pas quand on écrit seul, mais en fait, effectivement, on gagne du temps déjà par rapport à toutes les idées. Et il semble qu'il faille y aller. Mais moi, j'aime bien en fait l'histoire de la contrainte, ça me plaît bien parce que ça donne une impulsion. Et donc, elle me dit. Et ensuite, ce qui m'intrigue par contre, là, chacun, on raconte notre histoire, hein, même si on a un cadre, c'est après quand il va falloir choisir. Dans les 20 propositions, effectivement, ça pour l'instant c'est le gros point d'interrogation. Mais bon, ça sera la partie, la prochaine partie, et je pense que ce sera très intéressant. Je ne sais pas encore si on sera amené à lire les textes des autres ou pas. Ça pourrait être l'objet d'une soirée, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi déjà, je prends un plaisir, un grand plaisir dans l'histoire. Et puis même si certains passages seront pris ou pas. Bah de toute façon, à la fin, ça fera, à mon avis, une nouvelle qui va bien me plaire et qui malgré tout existera. Voilà. Donc, c'est que du bonheur. Merci.